Eh bien salut à tous, c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gauthier. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Est-ce que les marques nous arnaquent ? Aujourd'hui on teste un petit PC de chez MSI, le MSI Infinite. On y va, c'est parti ! Après avoir fait Asus, Megaport, VBox, on se retrouve comme t'as dit avec un PC gamer tout monté de chez MSI. On a notre ami Martin qui nous a prêté son PC d'une valeur de 1 700 €. Il viendra à la fin de la vidéo pour vous dire son avis, combien il a acheté exactement, à quoi il joue, etc. Donc on se retrouvera juste après pour ça. Mais avant de commencer tout ça, eh bien vous savez, on tease un énorme projet depuis assez longtemps et ça se rapproche à grands pas. Donc on va pas encore vous en dire plus sur le projet, on attend encore un petit peu avant de tout vous teaser. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va vous parler d'Igral. Donc c'est Igral qui sponsorise en partie cette vidéo et on va surtout vous conseiller parce que c'est hyper intéressant. Donc qu'est-ce qu'Igral ? C'est tout simplement un service de cashback. Ça sert à quoi ? Quand vous allez faire des achats sur par exemple Boulanger, Razer, etc., plein d'autres sites marchands, et ben vous avez tout simplement un cashback. Vous allez tout simplement être remboursé d'une certaine somme, ouais, d'un certain pourcentage par rapport à votre achat. Et donc vous allez petit à petit accumuler de l'argent. C'est vrai que nous voilà, par exemple quand on voulait partir à Paris avec le Flixbus, ça fonctionnait aussi. Et si vous passez par notre lien en description, et ben vous avez 10 € d'offert, donc ça vaut quand même la peine. Et puis si vous ajoutez l'extension, vous avez aussi un petit bonus sur Chrome par exemple. Et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que ça va analyser, capter automatiquement le cashback qui est nécessaire. C'est ça. Il y a également l'application donc sur iOS ou Android. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est que vous avez une sorte de porte-monnaie sur Igral et petit à petit elle va se cumuler. Et nous par exemple, on utilise Igral un peu sans faire exprès. Comme l'a dit Gauthier, on est parti à Paris via Flixbus et on a eu 3% de cashback. Donc on a pu récupérer une partie de l'argent de notre voyage et c'est quand même super sympa. Il y a plein de trucs que ça peut être utile, comme on l'a dit. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'ils sont partenaires avec les différents sites et voilà, eux vont prendre une commission, imaginons de 15% chez Razer et ils vont vous reverser 10% de la commission en gardant une petite partie pour eux. Donc au final, c'est vraiment hyper intéressant pour vous et ça permet petit à petit de quand même économiser pas mal d'argent. À partir de 20 € sur votre porte-monnaie, vous pouvez retirer cet argent. Alors il y a soit en chèque cadeau par exemple Amazon, PayPal, ou bien sur PayPal directement. Donc c'est vraiment, vous faites beaucoup d'achats, après 1 ou 2 ans, vous allez vraiment avoir peut-être, je sais pas, 100, 200 €. Donc ça vaut quand même la peine. Ça, et en plus, c'est cumulable avec les codes promo, les soldes, etc. Donc tout ça, c'est, ça va pas vous empêcher d'économiser sur d'autres choses. Vous pouvez économiser grâce aux soldes, aux codes promo, tout ça, et rajouter encore le fait de passer par Igral après. Super intéressant, c'est totalement légal, il n'y a aucun souci, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Donc franchement, on va dire, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on vous mettra le lien en description si ça peut vous aider. Ça fonctionne toute l'année en plus, c'est ça comme tu dis, c'est sécurisé, etc. On mettra ça en description, n'hésitez pas, c'est que du bon plan. Tout ça pour vous dire que Igral a un lien avec cette vidéo, puisque le PC gamer ici de chez MSI, si notre ami Martin l'avait acheté avec Igral, grâce à l'extension Igral ici qu'on va d'ailleurs activer dès maintenant, voilà, hop, activé, c'est parti, votre cashback 2%. Grâce à ça, il aurait pu bénéficier d'une petite promotion de 2%. Donc ici par exemple, si on met MSI, on a tous les produits et on a directement Igral qui va nous proposer les codes promo, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et lorsque vous allez faire un achat sur internet ou même pour votre PC gamer, eh ben vous allez avoir une petite promotion. Donc ça peut vraiment valoir la peine. En tout cas, un tout grand merci à eux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors commençons avec ce PC. Alors c'est vrai qu'au niveau du prix de ce PC, ça a été de longues discussions avec Martin parce qu'on n'arrive pas à se fixer sur le prix du PC. Lui, il a plus la facture exacte, mais il croit l'avoir acheté aux alentours des 1 500 €, alors que nous, sur tous les sites sur lesquels on le voit, il est à 1 700 €. Ça change quand même pas mal finalement lorsqu'on va analyser le prix et est-ce que c'est intéressant ou non. Mais on en reparlera après. Donc moi, je vais commencer juste ici par le boîtier et puis toi, tu feras le reste. C'est sa série à la base, donc je suis pas censé être là. Mais au niveau du boîtier, franchement, il a assez design. Donc c'est la gamme MSI Infinite, je sais pas comment dire. Il y a aussi les AEGIS, etc. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo entière que sur le MSI AEGIS, dites-le nous dans les commentaires et alors on s'arrangera avec la personne pour le faire. Mais donc ça fera deux PC MSI, peut-être le faire plus tard. On a une sorte de cage à lime en escalier, c'est-à-dire qu'on a la carte graphique qui se retrouve à ce niveau-là et puis il remonte juste après pour arriver à la hauteur de l'alimentation. Moi, je trouve ça pas mal. Et à l'avant, on a vraiment du rétroéclairage complet. On peut rétroéclairer l'avant et ici en haut. Et c'est du vrai RGB contrôlable comme tu veux, avec la musique, plein de trucs. Donc ça, franchement, de ce côté-là, c'est un point positif. Alors c'est vrai que je l'ai retiré, mais à la base, il y a ce cache-là qui vient se mettre au-dessus de la carte graphique. Alors est-ce qu'on l'aime ou pas? Je trouve que ça cache un peu le PC, alors que j'aime bien justement profiter de tout le PC. Au niveau du flux d'air, c'est pas top top non plus. En fait, je pense que c'est pour garder le flux d'air du ventilateur qui est dans le bas. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pour refroidir l'air du bas. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, il y a un tout petit ventilateur à l'avant, on regardera ça juste après. Maintenant qu'on a un peu parlé du boîtier, de l'aspect extérieur, du RGB, tout ça, au niveau des composants, qu'est-ce qu'on a? Alors la carte mère, c'est vrai que quand on regarde le boîtier, le PC comme ça, on se dit c'est de l'ATX. Et ben non, c'est du micro ATX en chipset Z370, Mortar et du Z tout simplement parce que le processeur, c'est un i7 8700K. Vous savez que c'est le PC fait par MSI, on a un boîtier MSI, pas un boîtier noné mal arrache.
On a une carte mère qui est une carte mère MSI. C'est pas la meilleure marque des cartes mères, mais franchement, c'est des cartes mères fiables, il y a pas de souci. Idem au niveau de la carte graphique, on est ici sur un modèle donc Armor de chez MSI, qui est également une carte graphique de chez MSI reconnue, qu'on pourra totalement revendre en pièces détachées sans avoir sur un truc dégueulasse. PC, par exemple. Voilà, si jamais tu veux la revendre, tu vas faire PC 2 ans après pour la changer, c'est totalement possible. Et t'as pas une vieille carte graphique que tu ne pourras pas vendre. Donc ça, on peut dire qu'on ne se fait pas arnaquer sur la qualité des composants. C'est une GTX 1070 Ti. 1070 Ti qui est plus en vente malheureusement, non. Heureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme une RTX 2060. Plus ou moins, ouais. 350, 400 euros, on l'a retrouvé à l'époque. Ouais. Pour l'instant, sur Affaires PC ou sur des sites d'occasion, c'est 300 euros, plus ou moins. Donc, une bonne carte quand même. On verra à la fin ce qu'il en pense. Mais, nous, on l'avait déjà testé. C'est une bonne carte. C'est quand même plus puissant qu'une 1070 qui était à la base une très 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 bonne carte. Après, c'est vrai qu'à acheter aujourd'hui, une 2060 sera beaucoup plus intéressante. Juste éteindre le PC pour aller vous choper les barrettes. C'est comme des cruciales quoi. Bon, c'est du 16Go de RAM, ça on n'a pas dit peut-être. C'est du 2666MHz. C'est pas trop trop dégueulasse non plus. Mais par contre, esthétiquement, elles sont dégueulasses. Et là, on est vraiment sur du bas de gamme. Donc, le jour où MSI fera des barrettes de RAM, MSI, on pourra peut-être retrouver quelque chose d'un peu plus quali. Enfin, voilà. Mais donc, on va vite terminer avec tous les composants. J'ai ici comme ça sur Amazon pour vous dire. Donc on a le i7-8700K, une alimentation, donc cette fois-ci par contre un peu no-name, qui est une de 550 watts. En bronze, ouais. On a, ouais, 80 bronze plus. 2 Tera de disque dur et surtout un SSD NVMe. Alors ouais. ça tu peux le dire, c'est un SSD, on n'a pas compris. Ça, le SSD NVMe, alors on vous mettra une image, nous on l'a là, donc c'est la marque Plextor. Donc Plextor qu'on ne connaissait absolument pas, c'est marqué dessus. Donc en retirant le cache, on arrive à avoir le nom de la marque du SSD, SSD M.2, un vrai M.2, donc en 2500 Mbps et 1400 Mbps, donc vraiment des bons débits, c'est un NVMe et pas un SSD SATA, donc franchement hyper intéressant, indisponible en Europe, sur Amazon et tout ça, et puis on arrive sur un vieux Citrus, un peu difficile à trouver, mais voilà, on finit par trouver le... Il a l'air plutôt de bonne facture, donc on va dire que franchement il passe très bien, et bah voilà, pour ce PC-ci, c'est plutôt intéressant. Et puis on a un petit water cooling comme vous voyez, alors c'est un water cooling MSI mais qu'ils ne vend pas à part, non, c'est qui est conçu que pour les PC tout montés. C'est un vieux water cooling, voilà, rebrandé, ça, on va pas donc se mentir. Un ventilateur, le ventilateur il pue. Dégueulasse, hein. Il pue, il fait un peu de bruit aussi, il n'est pas incroyable. Donc on l'a comparé à un Hydro de chez Corsair H45 qui coûte 50 euros pour moi. Vraiment un bas de gamme, vraiment, parce qu'en plus on l'a remarqué, donc ça, Martin pourra en parler après, mais y a, quand on est déjà venu chez lui pour un petit peu ajuster son PC parce qu'il chauffait extrêmement fort. C'était ouais, c'était vraiment problématique. La carte graphique chauffait beaucoup, elle c'est est verticalement. Ouais. Mais en fait, le cache d'alim est voilà, la carte graphique est là et le cache d'alim il revient ici comme ça juste après, tu vois. Ouais, mais c'est aussi la vitre qui est collée quoi. Ouais, mais il descend et il remonte là. Donc en fait, elle a du mal à capter l'air à cause de la vitre qui est assez proche et en plus de ça le cache d'alim derrière. Donc ça chauffait beaucoup et il s'en était un petit peu plein, surtout qu'avec ce cache là, finalement l'air chaud restait en bas, c'était vraiment le bordel. Donc du coup, il y a de l'air frais qui rentre. De l'air frais ou qui se réchauffe à cause de la carte graphique et on garde l'air chaud dans le bas. L'air chaud monte vu qu'il est plus chaud avec l'air froid, logique. Et donc finalement c'est pas voilà, moi je sais qu'il a eu des problèmes, voilà, c'est pas le plus optimal et je sais qu'il a eu des problèmes de chauffe, donc il nous en reparlera après. Parlons un petit peu du prix maintenant. Donc là tous les prix qu'on vous sur a Amazon, dit ouais. Sur Amazon, le boîtier on l'a comparé au MSI Mag qui vaut 65 euros. Pour nous, en boîtier comme ça vaut pas mieux. Plus de 65 euros, je pense. Ouais. C'est à peu près le même prix. Donc on arrive à combien sur Amazon? Alors il faut compter l'option montage ici qui est inclus, le système d'exploitation. On peut compter 100 euros plus ou moins avec les deux. Ici sur Amazon, on est à 1234 euros. Si on ajoute l'option de montage, disons qu'on arrive aux alentours des 1300 euros. Alors nous, il nous dit l'avoir acheté 1500. Après, il se souvient plus si c'était hors TVA, en promo ou pas. Exactement la même config était à 1699 euros pendant assez longtemps. Donc du coup, nous on va se baser comme sur un prix de, on va dire 1700 euros pour notre calcul. S'il a 1500, bah voilà, vous diminuez ce qu'on peut. Ouais, c'était une solde, il était sûr que c'était une solde. Donc si ce PC coûte vraiment 1700 euros, sachez que c'est malgré tout un PC avec lequel on peut vraiment jouer à tout. Là tout à l'heure on a joué à 3 donc sur les PC etc, ouais, c'est tranquille. Et il jouait vraiment très très bien, aucun souci, sur Fortnite à peu près, c'est à ça. Tous les jeux. Mais il donnera son avis de façon ça, il donnera son avis. En tout cas c'est un bon PC, mais si on doit simplement parler au niveau technique et au niveau des prix, qu'est-ce qui est intéressant ou non, moi je dirais qu'au niveau des composants on n'est pas trop baisé, hein, je pense qu'on peut le dire. Ça voilà, il y a un ou deux composants comme on l'a dit, bah, la RAM et peut-être l'alimentation qui sont peut-être un petit peu de moins bonne facture, mais pour le reste on est sur des très très bons composants, une bonne carte mère, une bonne carte graphique et un boîtier plutôt correct malgré tout. Ouais, donc les composants top par rapport à Acer Predator, comme ouais, j'ai dit, ça n'a rien à voir. Donc c'est un PC qui est premièrement upgradable, on pourra l'améliorer, mais qui est surtout vendable. C'est ça, c'est important à dire. Revendable plutôt, oui. Donc voilà, au final, moi je trouve que ça reste un bon PC. Les petits points négatifs, c'est peut-être le flux d'air, je pense même un gros point négatif. Ouais. Et le prix, là on a une marge, allez, la différence entre Amazon, si vous le montez vous-même, elle est peut-être de 400-500 euros. C'est beaucoup. On va dire 400 euros, c'est beaucoup, mais j'ai envie de dire ça va encore. Tu vois, on a déjà connu pire.
Mais je pense que vous le savez, maintenant avec cette série, la plupart des conclusions sont les mêmes. C'est toujours plus intéressant de monter un PC soi-même, de monter un PC qui est voilà, sur mesure pour exactement ce que vous avez besoin de faire. Un PC que vous allez pouvoir monter, choisir les composants, acheter certains d'occasion même pour économiser de l'argent. Voilà, nous on vous conseille pas d'acheter des PC tout montés comme ceci. Si possible, faites un PC vraiment sur mesure pour vous. Mais on va dire que si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous voulez acheter un PC tout monté, je pense que celui-ci est peut-être l'un des meilleurs qu'on a vu actuellement sur cette série. Moi sur ce, je vais laisser Mathis avec Martin pour la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Gauthier, plein de bisous. Et donc on se retrouve maintenant avec bah, Martin, le propriétaire du PC, qui est d'ailleurs aussi blond au passage. Alors vas-y, est-ce que tu vas réussir à parler devant la caméra? Dis-nous un petit peu, voilà, est-ce que t'es satisfait de ton PC? Pourquoi est-ce que tu l'as acheté à la base en fait? Alors j'ai acheté pour jouer, parce qu'en fait avant j'avais un PC portable et donc il y avait une Mi 50 Ti dedans. Enfin bref, c'était un peu chaud. Et du coup j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé ce PC, je trouve assez sympa. Et pourquoi est-ce que t'as pas monté ton PC toi-même? Enfin, t'avais peur en fait moi je trouvais que c'était plutôt la facilité de prendre ça, j'ai vu ça, je trouvais ça chouette. À quoi est-ce que tu joues et combien t'as d'FPS à peu près, enfin, si tu te souviens un peu? Je joue principalement à Fortnite, donc en moyenne je fais 300 à 400 FPS. Donc ouais c'est pas mal. Je joue aussi... En faible? Ouais je joue en faible. Ouais. Aussi sur CSGO je fais 300 FPS aussi en faible. Du coup, ça change tout avec ton PC avec la Mi 50 Ti. Ah, ça vraiment. Change tout là, franchement. Ouais. Du coup, tu l'as revendu sur un PC en plus l'autre, le PC portable. Ouais. On arrive donc déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a analysé un petit peu l'extérieur, le prix. On a vu directement avec le propriétaire ce qu'il en pensait. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à nous proposer des marques pour les prochaines vidéos. Et également, si vous habitez à Bruxelles, pas très loin, en Belgique, ou même, voilà. Comme vous savez, il y a Brian qui nous avait apporté son PC Megaport, qui habitait à Lille. Nous, on peut vous accueillir au studio et puis présenter votre PC, regarder un petit peu s'il est intéressant ou non. Je parle bien de PC monté par les marques. C'est une série que vous appréciez beaucoup, donc si on peut la continuer. Ben, ce serait vraiment super. Un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à partager tout ça, voilà. Vous savez bien ce que vous devez faire. Et vraiment vous abonner à la chaîne, c'est super important. On est aux alentours des 187 000 abonnés. On compte énormément sur vous. Comme on vous l'a dit, il y a un très gros projet qui arrive. Et puis ben, les 200 000 abonnés, il y aura un très gros PC à 2 000 euros à gagner. Enfin soit, je vous en dis pas plus. On se dit à la prochaine, allez à plus. C'était nous.